Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment accélérer, on va dire, la vitesse de l'ouverture des programmes dans Windows. C'est-à-dire que quand vous avez votre ouverture de session, parfois, ce que vous aurez ben, des icônes qui sont en train de se charger sur votre bureau et qui sont en train ben, de s'ouvrir, mais ça prend du temps, donc votre PC bug au démarrage et tout ça. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Donc, quand vous avez Bienvenue qui s'affiche, vous allez rester appuyé. Donc, après l'écran de Bienvenue, quand il y aura écrit Bienvenue, juste après, il faudra maintenir la touche Shift de votre clavier qui est sur la gauche. Voilà. Donc, quand il y a marqué Bienvenue, juste après, vous maintenez. Comment dire? Clique merde, vous maintenez Shift, voilà. Donc je vais vous montrer autre chose que vous pouvez faire avec. C'est-à-dire que vous pourrez comment expliquer ça? C'est-à-dire que vous pourrez choisir un programme, par exemple. Vous pouvez faire pas mal de choses. Donc choisir un programme, ce que vous faites, donc vous faites Shift, voilà, vous cliquez sur Shift. Ensuite vous pouvez choisir un petit programme. Donc vous choisissez, je sais pas, on va dire Avast. On va faire encore Shift. Non, excusez-moi, Avast, Shift. Et là, vous choisissez Shift et vous faites clic droit. Excusez-moi, j'ai juste. Bon, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ah voilà, vous maintenez une Shift. Donc voilà, vous faites donc Shift. Et après, vous choisissez le programme avec les flèches de votre clavier. Et vous maintenez Shift, vous faites clic droit. Et là, vous pourrez l'ouvrir à distance. Voilà. Ensuite, autre chose que vous pouvez faire avec ce bouton Shift. Alors, par exemple, vous avez un programme ouvert. Je sais pas, je vais prendre l'exemple de notre explorateur de fichiers. Voilà. Sur ça, par exemple, si c'est ouvert. Et que voilà, que vous voulez ouvrir, mais pas en faisant clic droit, etc. Vous voulez l'ouvrir comme ça, et vous pouvez pas. Si par exemple vous êtes dans ordinateur, programme file, utilisateur, public, et puis voilà. Par exemple, si vous êtes là, voilà. Par exemple, si vous êtes ici, et que vous voulez surtout pas quitter ça, vous voulez ouvrir un nouvel onglet sur ça. Ben, par exemple, si ça c'est déjà ouvert ou pas, ben, il suffit de faire Shift et clic gauche, et voilà. Et ensuite, donc, vous avez deux ouverts. Voilà, les gens. Donc, ben, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de commenter. Ciao, ciao, les gens. Restez connectés.